Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Forward Gamers pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est sur Among the Sleep en version Next Gen qu'on avait trop hâte de tester après sa sortie sur PC il y a plus d'un an maintenant. Le jeu sort le 9 décembre sur console, donc il n'est toujours pas sorti à l'heure de la publication de cette vidéo, hein, je tiens à le préciser. Mais on avait tout de même hâte de l'essayer. Donc on va tout de suite se lancer dans le mode histoire avec vous, où on incarne un petit garçon et son ours en peluche. Dans un monde un peu glauque, puisque c'est en fait un jeu d'horreur indépendant fait par Krillbite Studio. Et c'est un environnement un peu glauque parce que vous allez rencontrer des monstres, etc., qui sont évidemment le fruit de l'imagination du môme. N'ayez pas peur, mes amis. C'est parti. Contours deviennent un peu plus clairs. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Comment? Comment est-ce que je... Ah! J'ai des grands bras quand même, purée, il est méga loin le truc. Bonjour. Donc c'est cette partie-ci qu'on avait eu la chance d'essayer en réalité virtuelle à la Gamescom. On avait vraiment pris notre pied. Malheureusement, je gère un peu mal cette réalité virtuelle. Là, j'ai quelques nausées quand je mets le casque sur la tête, mais c'était quand même assez étrange comme sensation de se retrouver dans le corps d'un gosse de 30 cm de haut, là. Mange la marde. Chou-chou. On peut pas virer le gâteau, là. Eh, mais je suis attaché, mais c'est de la torture. What you doing? What you doing? Moi je continue à jouer, pas de panique. La 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 la. Donc là vous aurez compris, hein, c'est la mère qui se dispute avec le père. Revoilà maman. Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Un cadeau, un cadeau. Et voilà, c'est à partir de ce moment-ci que je vomis. Krillbite Studio, voilà. Vraiment, merci à eux de nous avoir filé un code PS4 pour pouvoir tester le jeu en avant-première. On les remercie vraiment. Super opportunité pour nous parce que c'était un de nos meilleurs rendez-vous à la Gamescom. Les gars sont super sympas. On avait pu rencontrer le sound designer du jeu, donc celui qui fait un peu les bruitages comme ça. C'est celui qui nous fout la pétoche, disons-le. Et c'était vraiment un chic type. Voilà, là, je supportais plus trop le casque. Oui. Nenors. Par contre, je comprends pas, j'avais mis les sous-titres en français. Bon. Voilà, donc notre démo de la Gamescom s'arrêtait ici. Alors, R1 pour prendre des objets.
Ça, on l'avait compris. Attends, vas-y, moi je m'en fous. Je vais monter là. Je suis un bonhomme. Ah! Appuyez sur rond pour vous accroupir. Accroupis-vous. Vous déplacez plus vite. Croix pour grimper. Bah oui, c'est ce que j'ai fait, mon petit, mais. Dégage. Toi aussi. Dégage. Ah! Ah! Mais. Qu'est-ce que. Ok, génial. Et le coussin de la réception. Appuyez sur là pour courir. Super, un bébé qui court. Allez, on va faire un peu de cheval. R1 pour pousser des objets. Qu'est-ce que tu veux qu'on pousse? Ah yes! Attends, je sais ce qu'on va faire. On va aller chercher ce nounours. Allez, allez. Ce bébé est carrément surdoué. Maintenez R1 et bougez le joystick de droite pour ouvrir les tiroirs. Ok, mais à quoi ça va nous servir? Voilà. Voilà. Oh merde. Nounours! Nounours! Wesh. Viens voir, toi. J'ai dit. C'est pas possible. Dans quel monde vit-on? Hey, What? you found me. What? Il est I'm vivant! Il here. est Nice to meet you. là! Hey, what's your name? Oh, c'est mignon! Not much of a talker Calais! yet, eh? Allez, et prends-le. Let's play a game. Let's play a game. Tu fais peur, I mec. know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Come here. Turn around and cover your eyes. Press none. To cover your eyes. Pressez de rien. Alors, There, you can look now. il a caché l'éléphant rose là. Attends. Non. Il est allé par là, le fourbe. Regarde. Allez, il est là. Non! Il est où? Il est où? Ça, on peut pas tirer. Dis-moi où t'as caché ce putain d'éléphant. Oh, il est là. You found it. Tu te crois malin? Wow, is that a music box? Does it work?
Hey. Yes, it works. C'est une boîte à musique, mon ami. That's a nice melody. Regarde ça représente le contrôle des parents, ça. Le jab. Oui, mais encore? Qu'est-ce que tu me... Toc 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 toc. Hey, qu'est-ce que tu fais au coussin? What's this? Oh, l'ours qui lit quoi. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. C'est du chinois. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well. I think we'll have to bid each other fare thee well. Ouais, moi je serai footballeur plus tard. Pouah. Oh. Does it run? Ouais. How do you start it? How do you start it? Là. Déjà. Hein? Déjà. Round and round and round. Ah purée, c'est pas drôle, sa tête elle tourne pas. Hey, elle fait pas de 360. I want to show you something. We need some place very dark. Ouais. How about your closet? Oh, mais le il est trop chelou ce nounours. It has to be darker. Shut the doors completely. Ouais, minute. It has to be darker. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. Bum bum bum. I hope there are no monsters in here. Ah ben, j'espère aussi, mon gars. Sinon, t'es dans la mouise. T'as vu ça, le nounours quoi, il m'emmène dans des coins glauques comme ça. Chinois. Hello. Coucou Teddy. C'est le gosse. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Ouais, mais la nuit il se passe des trucs étranges. C'est pour endormir le joueur, c'est ça? Allez, on se réveille la nuit là. On est chaud patate. On va affronter les ténèbres. Saving. Nice. Bonjour. Oh, Teddy.
What the fuck? On m'a enlevé tes vitamines, on va partir les retrouver, merde. M'en fous, pas le temps de regarder au coin. On a retrouvé Teddy. Mais. Ah ouais, ok. Non. Pas maintenant. Ça servait à rien, ça. Teddy. Ah, j'ai jamais joué à ce jeu, donc je sais pas du tout quand il va y avoir des screamers. Hop, c'est parti. Teddy? Il y aura rien à battre. Allez. Teddy! Allez, vas-y, je suis certain que Teddy, il est là-dedans. Allez! Alors donc, pour petite info, je crois qu'on va croiser une grosse bébête bien méchante dans le jeu, et ça symboliserait le père qui est un peu qui s'acharne un peu sur la mère, et le gosse voit ça un peu comme un monstre. Enfin, c'est évidemment une vision de gosse, hein, mais voilà, c'est pas toujours c'est un peu descendant. Ah, je vois que dalle. J'espère que vous voyez là sur la vidéo, parce que moi je vois que dalle. Ouais, une feuille. Attends, on joue à Slender là ou quoi? Comment ça se passe? Attends, là il faut encore que j'aille chercher un truc. La table, ça va peut-être être un peu trop pour un gosse. Ah, je vois. Et je vais régler les paramètres tout à l'heure parce que ça va pas aller comme ça. Est-ce que je... Comment est-ce que je peux... Ou alors peut-être que je pourrais trouver un truc ici. C'est fermé. Ça, je peux pas pousser, je parie. Ça, je peux pas monter non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Waouh! Putain, l'ombre du gosse, elle est chelou! Bon, bref. La balle, peut-être. J'en sais rien. Le vase, non. Bon, bref. Je peux pas monter sur la table. Est-ce qu'on peut monter sur le ballon? Ça m'étonnerait. Et relève-toi. Comment? Mais arrête, c'est pas ça que je veux faire. C'est non, c'est pas ça. Il doit bien y avoir une interaction pas très loin. Ouais, mais je suis certain, il est là. Il faut aller chercher des clés, c'est tout. Des clés pour une machine à lessiver. C'est normal. C'est normal. Ah, ça aussi, c'est vrai. Allez, sérieux. Faudrait... Allez, je rêve ou il vient de se viorder? Allez, sérieux. Il doit y avoir un truc à faire, mais je sais pas trop quoi. Est-ce qu'on sait pas retirer simplement la... Ah. Allez, lève-toi.
alors. Ah. Oh merde, Teddy. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Oh. Ouais, bah attends, elle a voulu te laver, c'est normal. Putain, t'es fort en Chine, je suis certain. C'est quoi? J'ai vu un truc chelou. Non. S'il vous plaît. Merci de ne pas me faire peur. Hello. You have to be very quiet. You don't know why. Tu ne sais pas ce qui pourrait être en train d'écouter. Oh oui, je vais prendre un autre compagnon de route. Allez, va en reconnaissance. Allez mon gars, je suis certain, je vais tomber sur un truc là. Oh non. Oh, oula. Petite chute de framerate. On part. What the... C'était quoi ça? Il était là. Hello. Bon, mais putain, le mec qui a fait la bande-son, la sérieuse, c'est un putain de génie. What? Ah mais non, je sais ce que c'est, le monstre. Des bananes fluo. Right. Maman. The fuck. On va prendre une chaise. Eh bien, les chaises. Une chaise, j'ai dit. Merci. C'est qui le papa ici? Bah allez. Bah allez. Je veux aller à la porte. Ouais, bah pour le coup, on n'est pas très avancé. Faudrait vraiment que... Relève-toi. Faudrait vraiment que j'arrive à... Ah bah voilà, ok. Hop. Nickel. Allez. La buanderie. Parfait. On sort dehors ou pas? Fou bordel, moi, rien à foutre. Encore un nounours. What the fuck? Hello! Slender, me voilà! Maman. Oh, ah, putain, je supporte pas ça. What the fuck is that? Hello. Is there somebody there? C'est quoi? Putain, je vois rien, c'est horrible. Bon, attendez deux secondes. Hop, voilà. Parce que là, on voit vraiment que dalle quand on joue. Alors, on a ouvert la porte là. Ça, c'est un coffre-fort. On peut devenir riche, c'est bon à savoir. C'est même plus trop d'où on vient, moi, avec tout ça. Ok, non. C'est là qu'on doit aller, c'est ça? Je crois. Hello! Ah bah, c'est carrément plus clair, d'un coup. Ah, c'est pas vrai. Bon. Non, ça, c'était le couloir. Allez! Ah non, ça rentre pas. Mais si, ça va rentrer. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, je sais. Oh, je vais devoir utiliser les tiroirs là. Ouh.
Ouais, c'est ça, je devrais utiliser les tiroirs, non? Hop. À moins de... Dégage. Non, non. Bon, bah, on va essayer de tirer cette chaise. Mais elle peut passer, allez, c'est sérieux. C'est sérieux là. Est-ce qu'on peut sortir un tiroir comme ça? Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut sauter direct sur la clinche? Non. Génial. Allez, zou. Bon, ben, on va prendre quoi du coup pour céder? On peut pas. Non, on peut pas soulever un coffre-fort quand même. Bon. Et. Alors, on n'est pas dans la merde. On peut même pas se servir de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait des tiroirs ici? Peut-être cœur fermant, non? Non. Peut-être qu'en ouvrant un max le tiroir. Ah. Allez. Ouais. Ok, cool. C'est déjà pas mal, hein. Purée, il fait 4 mètres de long ce tiroir. C'est horrible. Yes. 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 Vamos. Mais allez. Mais allez, c'est sérieux là. T'as ton bébé, il te marche sur la tête. The fuck is that? Que passe? Ma, ok. C'était quoi? C'est quoi ça? Ah bah bravo! Faudrait s'essuyer les pieds. What the fuck? Ça j'aime pas, hein. Maman, c'est toi qui as foutu ce bordel? Ah maman, ma coupelle s'est encore bourrée la gueule! What the... Cache-toi bébé! Elle était là? Maman? Waouh, ok, ça c'est ça, là, c'est glauque. Ok. Ouais, je me pose la même question. Bonjour. Can you see your reflection? It's her. The fuck is that? But it seems more like a memory. C'est elle, mais ça ressemble plus à une mémoire, un souvenir. Appuie sur triangle pour ouvrir ton inventaire. On va faire quoi? Allez, zou. Du coup, je sais pas à quoi ça servait ce qu'on a récolté là.
Oh, yay! Are you all right? Yay! Oh, reviens ici, toi. Merci. Brave petit. What is this place? Ça, c'est la drogue que ma mère m'a donnée avant de dormir. What is this place? Playhouse. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Bah ouais, vas-y, tu vas l'ouvrir de l'intérieur, là. Allez, zou, dégage. Alors? Whoa, look at this place. Ok les petits amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai décidé d'arrêter ici rien que pour vous ennuyer. Non, évitez de vous spoiler la suite de cette histoire. Pour ceux qui voudront en apprendre davantage, je ferai certainement d'autres vidéos. En attendant, voici un premier aperçu de Among the Sleep sur PlayStation 4 ici. Hein, le jeu va sortir aussi sur Xbox One. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez goût à l'essayer par vous-même. Que vous aurez peut-être le courage d'essayer par vous-même. Évidemment, c'est un jeu qui se joue avec un casque pour encore plus de frayeur. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres nouvelles sorties comme celle-ci. Ciao !